En tout cas, on a pu se faire arrangement, mais nous dit, grand marché, j'en te souhaité, j'en te prévois. Petit moment, petite patience pour nous, et puis nous pourrons regarder cette café. C'est quoi le bon qu'on y a là? Alright, nous passons nous en forme. Nous passons notre marché qu'on y a. Ok, nous saluons tout le monde qui est bon chez nous à travers Facebook. Facebook là, t'es tombé tout à l'heure et c'est YouTube là, t'as marché. Bon, nous avons plusieurs difficultés, mais espérer que ça n'a pas dérangé ou toi, et espérer que vous pouvez partager direct là pendant qu'on a continué étudier ensemble pour nous avancer. Jean Cornélie, nous déjà sous cinquième séance d'études dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous espérons que séance à soya a bénéfique pour vous et que on va prendre en pile. Moi, promesse m'kabao, c'est que garantie m'kabao, c'est que séance à soya va permettre ou plus ou moins ouais qui démarche. Et mon cap étudier Bible a fait, mon cap enseigner, qui démarche yo fait le bon texte pour que yo arrive ouais qui message auteur a voulu communiquer. Ça veut dire que asoya m voulait mener nous dans la cuisine. OK? Généralement ça passe le fait étude, toute préparation en fait derrière puis je présente au plat pour manger. Qui bien, mais ce n'est pas souvent que nous invitons à entrer dans la cuisine pour regarder qui ça a fait, comment plat préparer. Mais raison que nous menons dans la cuisine là, soya, par rapport à texte, nous pouvons regarder à 1 Corinthiens 15, verset 50 à 58, quand Bibou, préparez pour travailler avec nous. Mais raison que nous menons dans la cuisine là, soya, c'est parce que nous apprenons que ou même ou un modèle là ou c'est ouais ce qu'à suivre, ok, pour l'avoir étudié ou même tout pour observer même principe ça, ok, même modèle là. Donc c'est raison d'être qui fait que maintenant on a cuisine là soya on a regardé comment nous qu'à étudier qui bien, ok. J'espère auprès 1 Corinthiens chapitre 15, c'est là on a étudié quoi soya, ok, en forme. Voilà, 1 Corinthiens 15 et nous sous cinquième présentation. Alors, moi, je vais essayer de partager l'écran, moi, en façon pour nous capables, ouais, qui côté nous y est et qui côté nous voulons aller. Un petit moment. Oups, par contre, moi, je n'ai pas de même disponible. Juste un moment. Yeah, en attendant. J'espère qu'on prend Bibou, prend Bibla, et puis tout, je dirais pas juste sur 1 Corinthiens chapitre 15. On a essayé de faire préparation, nous fermons quelques dossiers, nous fermons par contre là, pas même moi. My son help me out with this. Yeah, on va laisser partager comme pour qu'on voit qui côté nous voulons aller, et puis pour étudier ensemble. J'espère qu'on déjà lire Bibou dans 1 Corinthiens 15. Et c'est là qu'on va l'étudier à soi pour nous regarder qui ça nous a appris. OK? J'espère que ça marche parce que là, on va essayer de partager l'écran. Juste un petit second encore. Parce que bon. Something does not work. What is that? OK. Est-ce que nous avons welcome? No. Oh, it freezes. Freezes. A lot of appeal difficulty as well. Yeah. Ordinateur freeze et lui-même éteint. Bon. It's the Wi-Fi. OK. Toutes mes excuses à ce là, elle n'a pas clair même. Frère Julien, est-ce que nous là? Bah ouais, personne.
Oui, là, oui. Ok. En pile difficulté à soi, parce que. Ouais, parce que Zoom n'a dit que vous commencez à partager l'écran, mais il n'y pas paraître. Exactement. Il semble que c'est. Pour la difficulté. En pile difficulté à soi. Merci pour patience. Merci parce que vous avez. Patience avec nous. OK. En attendant que nous avons lancé, bon, moi, le texte là. 1 Corinthiens chapitre 15. Je suis presque certain que Facebook l'a campé tout. Mais bon. OK. Bon, j'espère que ça marche. Bon, le texte là, en attendant, maintenant, on essaie de faire tout arrangement possible pour que nous vivions normal. Texte, n'a pas regardé à soi. On a commencé dans verset 50. Pour arriver dans verset 58. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà, c'était ça que nous avons essayé. Étudier à Soya. Et j'aime te dire, j'aime te souhaiter maintenant dans la cuisine hein, pour garder dans cuisine pour garder comment préparation en fait. Côté nous sortis pour nous arriver côté nous y a. Et le m'dou que en principe, on a essayé de retracer la démarche, la pensée de l'auteur. Le nous dit, on a essayé de retracer la pensée de l'auteur. Qui procéder nous utiliser? Comment nous faire pour nous adresser ce texte-là et pour nous arriver où est qui sa auteur à lui-même l'a discuté? OK? Donc, j'en ai regardé depuis plusieurs temps. Sujet A, c'est comprendre l'espérance chrétienne. Comprendre l'espérance chrétienne. Nous sommes cinquième séance là-dedans et à chaque fois, nous regardons une portion, une péricope. Et à soi, on va regarder la nécessité d'une transformation du corps. Parce que portion à étudier, justement, il y a un rapport avec corps qui est pour transformer lorsque l'heure va arriver. Si nous avons dit dans le passage avant, Paul n'a pas abordé les morts en Christ, eh bien, dans le passage, ça, question, c'est les vivants. OK? Et donc, vous pouvez voir avec moi qui ça, Paul a proposé pour aspect ça. Alors, à nous entrer directement dans la présentation, hein, nous allons laisser regarder trois, on a fait trois parties, comme d'habitude, trois étapes dans la présentation. Hein. Dans un premier temps, moi, je vais juste rappeler le contexte qui fait, nous avons un Corinthiens 15 là. Dans un second temps, on va rentrer dans le texte là et pour aller de ouais qui travaille nous fait pour nous essayer de comprendre ce que ça texte fait et puis finalement, on va permettre de parler. Voilà,
on va essayer d'aller au plus vite pour nous voir si nous capables permettre de comprendre ce qui se passe. Le contexte de 1 Corinthiens, globalement, nous parler, nous montre que gagner deux grandes étapes dans livre en général. C'est côté Paul a pas adressé problème l'église là gagné, mais pas l'exact dit ça, c'est des familles, des gens qui rapportent les difficultés gagné dans l'église là. Six premiers chapitres. Et puis, reste chapitre, c'est surtout côté Paul a répondre question l'église là, t'es voyé poser à travers yon lettre. OK? Maintenant, 1 Corinthiens 15, côté nous y en particulier. Ça, vous pouvez comprendre là-dedans. Mais avant, justement, bon, rappelez-nous ça, Dr. Bailey dit, par rapport à chapitre ça, 1 Corinthiens 15. Ce chapitre commence par une revue du message évangélique dont certains dans l'Église risquaient de s'écarter en niant la résurrection. Le problème n'a pas oublié. Depuis chapitre 7 jusqu'à chapitre 16, c'est des problèmes qui étaient gagnés dans l'Église là que dans l'Église Corinthe que Paul avait essayé de résoudre. Alors, lorsqu'il vient dans chapitre 15, problème Paul a adressé, c'est problème résurrection. On ne peut pas comprendre dans quel sens pour nous dire que comme chrétien nous gagnons pour nous ressusciter. Ça veut dire si corps a mouru, il périt, comment l'a fait ressusciter et par rapport à l'esprit, vous comprenez? Et donc, dans un premier temps, Paul abordait question message de l'évangile là, même qui jeta sur le fait que Christ lui-même était mort mais ressuscité comme prémisse, comme exemple, comme modèle qui attestait que la résurrection est possible. Étant donné que ces prémices nous liées, ces prémices de ceux qui sont morts, eh bien, nous-mêmes tous, nous gagnons pour nous ressusciter. Plutôt que de vivre pour le présent, les croyants devraient vivre dans le présent avec l'avenir clairement en vue. Et ça, vraiment fondamental, une raison d'être qui fait Paul expliquer tout le détail ça par rapport à la résurrection, c'est pour que pendant que nous vivons aujourd'hui, dans le présent, pour nous gagner dans l'esprit, non, c'est pas comme ça bagay a toujours été. Bagay yo gen pour changer. OK, n'a vu avec l'avenir en tête. Pierre lui-même va le montrer que si on gagne toute information ça au quoi là-dedans, eh bien ça doit motiver mode de vie ou. On doit vivre en l'autre façon, en l'autre gens qui certifie que quoi dans Christ. Dans 1 Corinthiens 15 11 premier verset yo, apôtre Paul débat, c'est-à-dire expliquer que évidence nous gagne, preuve nous gagne, yo suffit pour convaincre au monde que la résurrection est possible, c'est pas en fable, son bagage réel. 11 premier verset. Yo. Ensuite, l'Olfin dit ça, li aborder réalité résurrection avec preuve logique. C'est-à-dire, on fait raisonnement. Nous pas chita sur évidence sur seulement qu'on y a non en faire raisonnement pour nous voir qui ça veut dire. Donc verset 12 à 34 on va voir raisonnement Paul fait pour supporter la résurrection et sous pas de gétant suivre étude ça m'espérer que on va tourner à regarder et peut-être à sous site notre propre PowerPoint qui est disponible sous ça. Maintenant Paul anticiper objection que mon café dans verset 35 à 49 et Paul répond aux objections ça yo pendant que l'IF invité yo réfléchit à la vie pa yo même. Le gros bon sens réfléchit à l'agriculture leur mette une plante en bas terre ça passe plante là qui transformation qui fait qui corps plante la vie gagner pour comprendre histoire résurrection en tout. Et puis finalement côté nous y est à soir verset 50 à 58 Paul, en quelque sorte, toujours anticipé question que mon Dieu a gagné, ou du moins, ou te ka dit tout que lui répond directement quelques préoccupations que mon Corinthien a gagné par rapport avec réalité résurrection. C'est que, à quoi ça sert pour ressusciter si ou bien pour mourir encore? OK? Sou ki bazouka, certain que résurrection, ils sont réalité lorsqu'on connaît la mort, c'est une réalité en même temps. Et donc, Paul va expliquer que il y a un mystère qui est révélé. Le mystère, c'est une information, une donnée qui était cachée dans le temps, mais qui vient révéler, qui vient manifester. Et Paul va parler de la mort comme un mystère.
Donc, changement que nous faisons, changement qu'on nous a comme un mystère. On va louer ça avec moi plus devant, verset 50 à 58. OK? Dernier étude nous a fait, le Dabgade, verset 15, verset 35 à 49, nous a montré que Paul, dans verset 35, là, il posait deux questions rhétoriques que le pral développer. Donc, dans verset 36 à 41, il expliquait il prend une approche empirique pour expliquer la réalité de la résurrection. Dans ce sens-là, empirique, ça veut dire que basé sur l'expérience, mon Dieu. OK? Réalité semence, le corps a semé, ligué pour le transformer, pour le germer et grandir. Mais c'est toujours même plante-là, plante cap grandit, elle n'est pas différente dans l'autre plante. S'ils sont blé, c'est blé la pied. Donc, pour montrer que la résurrection est possible. Mais toute typologie de corps qui gagne, il dit que, ou pas qu'à confondre un corps de un être humain avec un quadrupède, ou bien corps yon moun avec yon oiseau, ou pas qu'à confondre corps moun avec corps un poisson. Et donc, dans la résurrection en tout, corps yon distinctif. Ça veut dire que, ou pas qu'à ouais son moun, ou pas qu'à distinguer que c'est un moun, et ou pas qu'à reconnaître mon lieu. Donc, c'était argument ça que le présenté dans verset 36 à 41. Et puis finalement, il fait en transition sous aspect théologique question. Pour dire que nous besoin penser à deux grandes figures iconiques de l'humanité. Adam, tout le monde fait en Adam et tout le monde mourit en Adam. Mais bon, second Adam qui c'est le Christ qui baille la vie. Tout le monde qui n'a Christ, il y a la vie. Alors, deux Adam sa yo yo gen origine différent, yon son yon terrestre, l'autre là li céleste. Impact Adam de Adam, impact de Adam sa yo fait tout vraiment différent. Premier Adam impact li c'est qui ça? Eh ben c'est la mort, c'est la condamnation, c'est le péché. Alors que deuxième Adam impact li c'est la vie. Donc la le retour à la vie. La résurrection est possible. Même Jean-Christ qui c'est deuxième Adam ça, il était ressuscité. On va entrer dans texte à soi. Je vais vous donner contexte là globalement pour écouter nous dans 1 Corinthiens 15 et puis pour nous entrer dans le texte qui préoccupait nous à soi. Pas préoccupait nous, mais texte qui concernait nous à soi, qui c'est 1 Corinthiens 15, verset 50 à 58. On va entrer là-dedans. Vous prêt? Vous avec moi ou là? OK, here we go. On va aller. Regardez 1 Corinthiens 15. Verset 50 à 51, verset 50 à 58, gagne pratiquement deux bagailles qui composent structure. Il y a un monde qui juste ou l'on seul, mais moi, elle deux, vous allez expliquer pour qui raison, deux points fondamentaux qu'il a. Premièrement, sept premiers versets, 50 à 57, il y a montré nécessité pour que corps nous transforme. Même Jean-Paul Tefin dit l'homme moun mouri, vie moun ki mouri yo, tant qu'on plante qui semé yo pas sans terre mais bien pour lever et retourner à la vie. Mais question qu'on y a et moun ki vivant yo, moun ki poko mouri yo. Dans les deux cas, gon transformation k'ap fait. Moun ki te déjà mouri yo y a transformé pour retourner à la vie. Moun ki vivant le Christ va tourner yo, eh bien y a transformé, tu pas besoin mouri parce que déjà vivant. Mais il y a une transformation faite dans le corps. Au palouet, qui ça veut dire. Et puis finalement, verset 58, on verset que en pile nous connaît, dans 1 Corinthiens 15, son verset qui encourageait nous pour nous être attachés aux promesses de Dieu. Rester attachés à la foi. Kembe fem, rester ferme. OK? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez ferme et inébranlable. Ça veut dire ferme, ça veut dire inébranlable. Ou une meilleure idée de ça à la fin étude ça. All right? Donc, mais deux grandes divisions, texte la guerre. Maintenant, côté, comment faire joindre? Comment faire venir avec deux divisions ça? Texte là, Meni, moi, partage avec vous texte ça qui c'est Louis II 21 qui fait quelques modifications. Par exemple, ou MT li pour ainsi mes frères dans l'ancien Louis II, ça qui est plus commun, ça nous plus habituel. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
Louis II 21, qui sont une espèce de révision de lui, il dit ce que je veux dire, pas ce que je dis, mais ce que je veux dire. Et je comprends ça, ça Louis II 21 fait, je suis d'accord avec elle, je suis pour vous qui sont d'accord avec elle. Bien que je t'ai traduit dans l'autre genre moi-même, je regarde les grecs là, je plus dit ce que je suis en train de vous dire. Bon, ce que je suis en train de vous dire, ce que je veux vous dire, continuance, mais aspect temporel là, d'après ce que je suis en train de vous dire, ça m'a d'où là, pas uniquement ça me voulait dire, explication, le passage avant eux, ce que je suis en train de vous dire. Et là, ça a impliqué à la fois en continuité entre ça me saute expliqué, mais lui montrer la temporalité dans le texte. Bon, en tout cas, ça c'est le détail technique, mais en tout cas, moi j'aimais nuance que Louis Segond 21 portait et que je souhaitais aller un tout petit peu plus en profondeur. Ce que je veux vous dire, ce que je veux dire, frères et sœurs, regardez pour lui traduire Adelphoi, frères et sœurs, alors que dans l'ancien Louis Segond, hein, ça nous plus habitué, il seulement dit ce que je dis, frère. Mais ils comprennent que Adelphoi, le lot pluriel, pas Adelphos, c'est ça Adelphos, c'est masculin. Hein. Donc c'est un frère ou bien Adelphé, qui c'est une sœur. Mais le homme était le pluriel, lui généralement englobé les deux. Et donc, dans la nouvelle traduction, ça, il mettait ce que je veux dire frères et sœurs, ce que m'apprécie. Ce que je veux dire frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Well, texte a dit chair et le sang. Grec l'a dit chair et le sang, littéralement. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Louis II 21, un peu interprété, vous dit, la chair et le sang qu'a parlé là, c'est notre nature actuelle. Donc, son traduction interprétive, ça c'est anglais? Ou, en tout cas, non, ça me l'a dit. Qui est correct, parce que la chair et le sang, on parle où elle, il n'est pas parlé de corps seulement, et que corps vraiment important, mais on parle où est parallélisme, qui, là, dans l'an, par le monde, qui ça la chair et le sang le dit. Et en plus, on a prié nos disciples, on a prié le prédicateur, bah ouais, c'est moi de vous débattre de la chair et le sang, et vous prêchez mes saillants. Well, est-ce que le correct pour nous prier pour nous dire c'est débattre mon nom de la chair et le sang? Est-ce que ça va nous dire tout dire c'est moi de tout touiller le nom de sous chair? Non, avec moi? Bon, en tout cas, on avance. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Donc, Louis II 21, il y a quelques modifications, quelques ajouts, il fait dans le texte là. Même pas pour un temps qu'on y a, on te prévoit l'île, même te guette en l'île un tout petit peu avant, ça coûte l'un des difficultés techniques, on va avec un mot trop. On nous garde qui ça nous a fait. Maintenant, ça nous a fait, mes textes là, mes démarches que nous supposons suivre lorsque nous avons étudié un texte, lorsque nous voulons prêcher sur un texte, lorsque nous voulons comprendre le message en texte, lorsque nous voulons enseigner un texte. Pas oublier, nous avons pile tendance pour nous porter ça en tête, nous, dans le texte là. Mais sous-prensant pour étudier le texte là, et puis faire ça relier au diagramme du texte. C'est ça que je vais montrer nous qui fait là. En anglais, on dit diagramming. Texte là, font diagramme de texte là, et puis la permettre ouais qui grand point, qui grand l'idée là-dedans. Mais exemple, moi, bah, comment faire un diagramme du texte? Généralement, ou garder les phrases déclaratives. OK? Les phrases déclaratives. Les doigts affirmatives, les doigts négatives, mais quand même, sont phrases déclaratives, c'est-à-dire, une déclaration faite. Les doigts peut-être impératives, tout. Mais ça ne me dit pas en phrase déclarative. Les doigts dit, par exemple, garder proposition principale par rapport aux propositions subordonnées. Ça, si ou pas pour un petit temps pour étudier ça, ou qu'a monté son texte, ou dit tout ce qu'on pensait, ou qu'a pensé au prêché, alors ce qu'on pas dit, ça texte l'a dit. Alright? Proposition principale, proposition subordonnée. Subordonnée veut dire, il dépend d'un l'autre. Principal, là veut dire, il qu'a vivre pour contre, il pas obligé l'autre pour le rester avec. Par exemple, si me dit, m'après l'eau, l'homme fin enseigné à soi.
m'aprele ou, l'homme finance ni à soi. Ça, c'est une phrase, c'est pas vrai? Mais phrase là, il y a deux propositions pour qui ça? Parce que il y a deux verbes là-dedans. M'aprele ou, relé son verbe, l'homme fin enseigner. Enseigner, c'est deuxième verbe là. Donc, le fait que il y a deux verbes, il y a deux éléments dans la phrase là. Quand il y a une phrase, ça, qui partie qui a arrêté pour contenir? Est-ce que m'ka dit, est-ce que si Manik dit l'homme finance ni à soi, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça clair pour vous? Manik dit l'homme finance ni à soi. M'a pas aucun message. Il pas ka exister pour compte, il obligé dépendre dans l'autre partie. Par contre, si me dit m'a prélé ou, est-ce que ça a arrêté pour compte? Yes, parce que son proposition principale. Donc l'on va étudier texte biblique là. Texte là devant, il faut regarder qui ça qui proposition principale et qui ça qui proposition subordonnée. Subordonnée, yon kon vini comme explication à proposition principale là. Donc, on tourne ce texte encore. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Ça qui passe là, Paul dit, m'a dit nous. Dans le grec là, que je ne peux pas montrer là malheureusement, je ne sais pas si c'est nécessaire tout. Paul dit, maintenant, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de dire, sans suspect là, Paul pral expliquer ou il va plus d'explications sur ça le dit en vain. Pablo il t'a parlé de résurrection que il est nécessaire pour corps qui mourir retourner à la vie. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que où est conjonction et qui lié deux phrases ça yo ou en conjonction de coordination j'ai dit oui donc ou après pas mettre le sous même niveau avec premier partie ya. Parce que c'est explication de sa Paul veut dire explication qu'on nous la chair et le sang pas qu'à éviter royaume de Dieu interprétation c'est nature actuelle Jean nous y est là Jean qu'on nous y est actuellement là il pas qu'à entrer dans royaume de Dieu ok. Il faut qu'on mal interprété, nous bal tout sens possible, mais après ça. La chair et le sang pas qu'à hériter le royaume de Dieu. Pas seulement ça, ce qui est corruptible pas qu'à hériter l'incorruptibilité. Parallèle là, clair, frères et sœurs. Paul utilise un parallélisme. Même phrase qu'il dit avant, c'est même dans le reprendre dans la deuxième partie avec des mots synonymes. Ou après, la chair et le sang pas qu'à hériter royaume de Dieu. Trois éléments. La chair et le sang, c'est sujet. Pas qu'à hériter, c'est verbe à la forme négative. Royaume de Dieu, c'est objet, c'est complément. La chair et le sang pas capable hériter royaume de Dieu. Et puis il dit, ce qui est corruptible, pas capable hériter bagage qui pas corruptible. Ça veut dire que ça. C'est même ça le tout dit avant, l'idylle avec d'autres mots. En d'autres termes, la chair et le sang, synonyme li qu'on joue dans la deuxième phrase là, c'est ce qui est corruptible. Bagay ki kab gâté. Bagay ki kab péri, ki kab corrompu. Ok? La chair et le sang, c'est qui ça? C'est la nature périssable de l'être humain. Pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Well, le corps a détruit naturellement. L'a détruit et ça fait chaque jour leur bien ça passe ou gagner ça le crasse qui sortit sous corps donc c'est des cellules mortes chaque jour nous n'a mourir n'a vivre chaque jour ou un certain nombre de cellules qui mourir encore chaque jour ou gagner d'autres qui vivent donc c'est réalité c'est que quand nous c'est des êtres périssables. La chair et le sang pas qu'à hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qui est périssable pas qu'à entrer dans ça qui pas périssable. Le royaume de Dieu pas qu'à périr.
alors que chair ak sang capable péri. Maintenant, comprendre bien, oui. Si la chair et le sang, c'est ce qui est périssable, pas vrai? Et puis, dans la prière, nous nous disons, mando débattil de la chair et le sang, et vous comprenez? Ça, dit, c'est à vous le faire la même. Ou à prendre prédicateur, vous l'allez prêcher pour dire à tout ouïe, sous chair. Tout ouïe, on va le bailler, ça, là, pas vrai? Bon, en tout cas, son opinion. Heureusement, nous avons cet esprit bon Dieu qui transforme la prière, yo. Qui fait, il présente le bon Dieu dans Jean Tadoué, mais en pile fois, il y a un débat terrible. Prédicateur va le prêcher, tout le monde est bon Dieu pour le prier avant le prêcher message là, et puis c'est prier, prier. Donc, le texte dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire le corruptible, ce qui est corruptible, pas capable d'hériter ce qui n'est pas corruptible. Donc, avec moi, combien de monde est là? OK, en commentaire, en réaction. Right? Voici, je vous dis un mystère. Well, encore une phrase déclarative. Phrase déclarative, ça, li, ou joint après, ou dans verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Gardez pour moi, pas mettre sous même plan d'égalité. Et puis, me souligner parce que me rendre compte que ça après un élément clé dans la progression de la pensée de l'auteur. Un, il dit, OK, je vais l'expliquer ça m'a dit. Bon, explication. Donc, on dit, je vais présenter l'étude là, je vais organiser l'étude là. Faut penser que là, je vais avoir comme point 1, ou bien si je vais prêcher, je vais avoir un élément 1 qui c'est explication à nécessité pour entrer dans le royaume. Faut c'est un corps qui est incorruptible. Deuxièmement, Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Et puis, le film dit ma prune dit non mystère, t'as qu'on a grec là, ou un indicateur qui dit haughty, qui parfois il juste mettait haughty à, parfois qu'on a un mot qui veut dire que, mais c'est que, parfois il juste mettait guillemets pour expliquer sa haughty, yeah. Surtout le suivre en verbe d'expression. Bon, ça c'est détail technique en tout cas. Mais ça, on va regarder, il dit, je vous dis un mystère, ça mystère, yeah. Qui ça mystère ça est que m'a dit nous. Donc ça me fait moi décaler reste phrase là, me font petit pousser pour me dire OK, mystère ça c'est qui ça? Nous ne mourons pas tous. Nous ne mourons pas tous. Ça c'est mystère ça Paul voulait dire nous. Même en plus, on gagne un autre mot qui suit lui qui sont mots adversatifs mais qui montre un contraste, voilà, qui marque un contraste. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Donc, ça fait partie encore de l'explication mystère là. Ensuite, la m'gade reste phrase là, dit, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. Ah, ça veut dire nous là. Transformation, en un instant, en un clin d'œil, il marchait avec qui ça? Nous serons transformés. Transformation, ça, la montre le temps. Le temps, qui le ça a fait? Dès que je m'appelle dans la cuisine pour qui travaille que prédicateur a fait, enseignant a fait, on va lui présenter aux études. Là. Dès que je ne vais pas présenter ça direct, du tout, je suis centré, je suis point 1, point 2, point 3. Mais je voulais faire well, en façon vous-même tout pour regarder le texte, vous dire OK, je vais commencer à étudier pour quoi? Moi, je vais commencer à organiser le texte pour quoi? All right? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, qui le en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. Vous avec moi? Nous là? Et puis, regardez ce texte-là dit encore. Quand il y a là, je vais regarder avec vous verset 52. Le texte-là dit, alors, la trompette sonnera. La trompette sonnera. Je n'ai pas aucune préposition ou coordination qui entre là-dedans. Là. Mais juste une phrase indicative. La trompette sonnera. Donc, si mon phrase indicative comme ça m'oblige à prêter attention et après me mettre en gras, me prêter attention à elle, est-ce que la trompette sonnera liée à mystère là ou bien est-ce que son autre élément additionnel dans la réflexion auteur? Ça, c'est ça me besoin résoudre sur le plan exégétique. Le me réfléchir pour nous dire, OK, Paul dit, je vais raconter nos mystères. Mystère, c'est que
c'est pas tout le monde qui a mouru, pas vrai, mais bon changement qui a fait. Et puis ensuite, il dit, la trompette sonnera. Est-ce que la trompette sonnera fait partie du mystère là? Ou bien, il y a avancé en l'autre argument dans la réflexion là. Quoi qu'il en soit, avant de faire décision finale là, moi souligner ça comme une phrase déclarative. Songez samedi, nos frères et sœurs, lorsqu'on texte devant, ou à faire dévotion personnelle, ou à faire méditation, lorsqu'on texte devant, ou regardez texte là, bat pour discriminer, distinguer phrase déclarative yo, avec phrase subordonnée, yo. Proposition principale yo, avec proposition subordonnée. Sou pou kon fè sa, pou an ti tan, sou Google, ou bien pou an grammaire, n'importe sa li kaido la, pou kapab jwenn comment identifier les phrases déclaratives, comment identifier les phrases, les propositions principales, les propositions subordonnées, qui mark nou genyen, lèm gen et, well, gen conjonction, donc li pral lier plusieurs membres de phrases, lèm gen donc, lèm gen alors, par conséquent, well, ça c'est des indicateurs que y ait non texte. Si on dit ce corps, je viens dans linguistique, je te fais nous apprendre ça y est les déitiques. Donc c'est des mots qui pointent où sont leur réalité, son bagage. Ok? Donc on dit là, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ce corps, donc son déitique là. La préféo en l'autre bagage. En tout cas, il dit, la trompette sonnera. Ça, son phrase déclarative en proposition principale, li ka vive pour contre li. La trompette sonnera. Et puis, l'homme finit où la trompette sonnera, texte l'a dit, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Hein? Alors les morts ressusciteront. Donc, alors les morts ressusciteront, vini après la trompette sonnera, pas vrai? Gon antériorité par rapport à ça. Donc la trompette sonnera et puis mes événements qui vont passer après là ou gon séquence l'aspect séquentiel. OK, trompette là qui va sonner mais ça cap résultat de sonnerie ça. Alors les morts ressusciteront et puis il dit et nous serons transformés. On pas mettre le sous même pied d'égalité avec on va commencer jusqu'à gauche net. On pousser parce que montrer que l'idée dépend de premier membre frère ça la trompette sonnera alors les morts ressusciteront et nous ressusciterons donc de ça yo dépend de premier frère ça si m'pa comprendre ça m'a prêché mal m'a enseigné mal m'a dit m'ka dit ça texte ça pas dit car mon l'autre mot car c'est qui ça là ouais car ouais explication bien que Louis II 21 pas dit car là ancien Louis II dit car mais Louis II 21 mettait le par la suite il dit il faut en effet pas fin d'accord avec c'est ça que me retourner dans car là pas fin d'accord avec Louis II 21 dans aspect ça il pas gros détail non mais raison que pas fin d'accord c'est que en effet li généralement vinn ba ou preuve de on phrase que se dit en bas. OK? Mais car gagner en force qui ajouter parce que l'on dit car et comme soit ba raison d'être ou pas seulement ba les faits mon ba la raison. Donc on nuance quand même entre car et en effet. Donc, Louis II 21 dit car, Louis II 21 dit il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, alors que ancien Louis II, hein, que nous plus habitués à, lui seulement dit car il faut que, bon, moi, Simkawel, côté Mila, verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et puis là, il finit ça, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité ou gagner que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est là, dit là. C'est même il faut que à que le pas répéter. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, deux phrases ça, yo explicative, yo c'est explication que pour la baille, n'est juste pas répéter il faut que à deux fois. Besoin comprendre ça dans stratégie auteur dans la stratégie de composition du texte
Et pour gagner encore, lorsque ce corps corruptible, on commence à poser tellement de questions. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ou ça le dit lorsque? Lorsque c'est un indicateur de temps. Pas vrai? Un indicateur de temps. Si on a commencé à phrase, il dit l'homme fin fait tel bagage. Il faut qu'on dise reste phrase là qui est important. Parce que l'homme fin, non, bien lorsque a son phrase, son proposition, dépendante, subordonnée. Ouais, il dépend de bagage qui va venir. Ça veut dire que, forme suivre moi pour l'abdim, ok, lorsque quoi ça a fini, revêtu incorruptibilité, forme de mon pour le dire, ok, mes phrases déclaratives là, que je veux souligner, c'est le plus fondamental dans la pensée auteur. Nous, avec moi, nous, ça m'a dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, finit avec aspect temporel, elle dit alors, s'accomplira cette parole de l'Écriture. La parole de l'Écriture s'accomplira. Parole, texte a été dit, a pas accompli. Voilà une phrase déclarative qui fait moi qui ça, auteur, a essayé souligner. OK? Maintenant, l'elle dit, parole prophétie a pas accompli. OK, Paul, qui parole prophétie ça? Qui parole prophétie? Alors, ça accomplira cette parole de l'Écriture? Qui parole Bible a dit là qu'elle accomplira? Et puis, regardez-moi, Paul dit, la mort a été engloutie dans la victoire. OK, Paul. Qui prophétie? Côté ça sorti. Dis, fais-moi comprendre. OK? Alors, cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ça veut dire que ça, si m'a suivi le texte là, et pas ça, on a besoin de souligner. OK? Fondamental dans l'esprit auteur, livré fort qu'on est, résurrection n'a pas parlé là, transformation qu'on n'a pas parlé là, son bagage, bon Dieu, t'es en prévoit, t'es en annoncé, bon Dieu, t'es fait promesse ça déjà. Alright? Qui promesse liée? Eh bien, c'est promesse la victoire sous la mort. Donc, ça, c'est ça, on a besoin de comprendre que Paul dit là, on va le corriger parole, moi, dire, avec la Bible. On y a encore plus loin pour dire, OK, mal chercher dans tout, ou bien mal chercher dans toute la Bible, pour qui côté Paul veut une parole, ça. Donc, on va souffrir étude là, tout, on va que Paul fait un bel arrangement, côté Paul cite deux textes, et il pas cité au mot à mot. C'est normal, ça montre que il pas de bon texte dans le mail, c'est parole, il apprend déjà, il mémorise texte, et puis, il cite. Mais en tout cas, l'idée qui derrière, c'est que n'a porté la victoire sous la mort. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Là, où elle finit, dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ah ouais? Dernier mot de Dieu, c'est aiguillon. Et puis, il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Qui rapporte bien à ça? Là encore, ouais, ça, son phrase déclarative. Mais son phrase déclarative qui est liée avec ça, le fait que ça dit, aiguillon, aiguillon. Well, ça veut dire, il fait une expansion. Lui, expliquer li bay on ajoute li bay on a un élément additionnel tout ça je dis ça veut dire qui ça Paul pape dit là mais sa parole mais sa verset la Bible a dit non verset la Bible a dit l'aiguillon de la mort c'est le péché mais c'est plutôt explication que le porter ou clarification le fin dit ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon et puis ajouter phrase ça veut dire l'aiguillon de la mort c'est le péché donc ou gagner un instrument que la mort utilisait, ou un partenariat entre la mort et le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. À qui outil la mort, qui outil la mort utilisé pour le faire travailler, c'est le péché. Donc, moi, besoin, comme exégète de la Bible, comme prédicateur, comme enseignant, ou bien comme monde qui a fait étude biblique, comme monde qui a fait méditation sur le texte, m'oblige à souligner texte ça, phrase ça, parce que lit son phrase déclarative pour comprendre la pensée de l'auteur. L'elfine dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il dit encore, et ce qui donne, et. Donc, si je et, ça veut dire que ça. Moi, j'ai une coordination. Je mets deux bagailles ensemble. Donc, je ne suis pas obligé de souligner deuxième phrase ça parce que li lié avec une première phrase. Vous comprenez ça me dit? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Aha!
Donc, moi, j'ai gagné, t'en es bien, oui? Moi, j'ai gagné un duo qui l'a. La mort, il utilise le péché et il utilise la loi. Est-ce que ça passe là? Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Là, Paul passe dans l'autre phase. Qui introduit une idée contraire, mais que Dieu soit remercié. Comme ancien Monsieur Gouandil, verset 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu. Well, grâce soit rendue à Dieu. Donc, action de grâce. Lui qui nous donne la victoire, ça veut dire que Dieu nous doit by mon Dieu action de grâce. OK. Est-ce que l'abdim qui qualité Dieu, il dit lui. Donc, lui, son pronom, ça veut dire que deux phrases, ça dépend de ça avant. Que Dieu soit remercié, lui. Donc, là, nous avons une description de Dieu. Bon Dieu, nous devons dire bon Dieu merci. Bon Dieu, ça m'a parlé là. C'est lui-même qui bat nous la victoire. On m'a dit que nous avons dit, bon, nous avons gardé plutôt comme base fondamentale pour remerciement. Mais le fait que son pronom qui est utilisé, c'est-à-dire pronom renvoyé à un nom, donc renvoyé à Dieu, n'est pas nécessairement bonne base là, mais bon moins en description. Mais de qui m'a parlé là. Et puis ensuite, il dit par notre Seigneur Jésus. Il bat nous la victoire. Well, par c'est un indicateur d'agence, agency, agence moyen, qui médium les utiliser. Donc, si vous comprenez ça, l'homme pral fait étude là, allez bien, l'homme pral fait étude là, m'a essayé mettre ensemble toute phrase clé ça que m'te mettez en gras, que m'te souligner. Et c'est ça qui permet que je vienne joindre qui, comment l'auteur a organisé pensée, quel est le flux de la pensée de l'auteur. Non avec moi, Noël? OK? Et puis, dernier verset 58, il dit, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés. Bon, ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire, ainsi? Il se trouve que dans le grec, là, c'est hoste. Non, pas hoste, hoste. Non, mal dit, c'est oméga, pas omicron. Hostea, c'est soit à dire par conséquent. Puisque ça me saute de là, c'est ça qui passait, comme résultat, par conséquent, en réponse. C'est même mot ça où je viens, par exemple, dans Romains 12, il dit que Romains 12, verset 1er. Quand elle dit, je vous exhorte donc, c'est même moi, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte, je vous encourage. Donc, c'est plutôt par conséquent, therefore en anglais. C'est pourquoi. Voilà, mon bon façon de te dire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés. Et moi-même, je préfère une traduction, c'est pourquoi, au lieu de ainsi. Ainsi, ah bon, oui, mais. Et comme si man conti explicité là. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, hoste en grec. Donc, si Paul, dans verset 58, le dit, c'est pourquoi, ou bien ainsi donc, ça veut dire, ouais, la menon en conclusion là, la fait on s'arrête en inférence. Inférence, vous l'avez dit qui ça? Conclusion, vous l'avez dit qui ça? Mais comment pour appliquer mes décisions ont besoin prend par rapport à toute explication de baou par rapport à coup ça me faire mais qui décision ont besoin prend c'est pourquoi mes frères bien-aimés et puis ainsi donc ou bien c'est pourquoi beaucoup de phrases là beaucoup de phrases notez que pas un verbe là l'homme dit ainsi mes frères bien-aimés beaucoup de verbe donc si beaucoup de verbe pour qu'on ait une phrase là, il attire attention, mais le pour qu'on dit, nous avons besoin de dire. Et comme si on parle au monde, on dit, hey, Vimbalo, hey, on ne va pas venir Vimbalo, si on dit Vimbalo, déjà, on dit, hey, ou attire attention au monde, non? Ou on dit, hey, chérie, ou attire attention, mais pourquoi on dit rien? Voilà. Et puis, le film dit, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, le sale pas l'entrée dans la phrase. Alors,
sou gen question, écrire sous chat là ou bien sous chat sous Medium plateforme ap tande nou an ou bien sous Zoom tout écrire frère Julien ap aide nou wè ça après. Même temps m'ont remarqué que comment auteur a organisé pensée. Le film dit ainsi mes frères bien-aimés donc son vocatif, il attire attention nous, kounya là, il pral din ça le besoin dire. Il dit soyez ferme. Ça son premier commande, un impératif. Donc obligé souligner parce que l'important même j'ai gagné en phrase déclarative ou bien en phrase impérative ça ou pas qu'à négliger mais en phrase qui en proposition subordonnée ou obtenu compte de lui mais pas lui qui point principal là voilà juste aider nous pour nous faire travailler là plus bien pour étudier plus bien soyez ferme et puis il dit inébranlable ça veut dire inébranlable est-ce que son phrase gayon sa ge sa rele yon ellipsis ou ellipse en français dit ellipse anglais ellipsis c'est dire gayen un élément elliptique là ça veut dire gon partie dans phrase pas besoin répéter encore soyez ferme soyez inébranlable donc puisque le déjà dit soyez dans premier phrase pas répéter soyez mais c'est comme si t'as dit soyez ferme son premier commande en premier ordre ensuite il dit soyez inébranlable troisième bagage il dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. OK? On conscient que ancien Louis II a dit travaillant participe présent yo pas proposition principale. Les participes yo pas proposition principale. C'est-à-dire soit pour organisation texte participe yo ka vini comme explication, li ka base li ka fondation, li ka raison d'être, li ka résultat, donc les participes et pas yo besoin souligner comme élément principal. Donc Louis II 21 qui c'est Louis II révisé a, yo pas mettre travaillant, yo mettre travailler parce que son impératif que lié là. Well, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur alors que deuxième nan son participe présent. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat ou bien n'est pas vain dans le Seigneur. Well, révision dit votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Tenez bien. Mbawa chita, si m'a prêché, qu'on a pile prédicateur, c'est ça, qu'on capable capitaliser sous lui alors que texte là auteur pas ça la capacité capitaliser parce que le mettait en participe présent. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat. Bon exemple pour comprendre. C'est comme si l'on gagnait dans Matthieu 28 verset 19. Il dit, nous gagnons qui dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, par exemple. Mais en réalité, dans le grec, là, ça nous dit, ça a été traduit aller, ce n'est pas nécessairement en impératif que lui, son participe présent. C'est en allant. OK? Verbe là, c'est faites des disciples. Faites des disciples. Ça veut dire soit prêcher, ça faut regarder côté impératif là. Yé. Côté phrase proposition principale là pardon si m'gain en allant well en enseignant en baptisant m pa ka prêcher et puis c'est sous baptême nan moi met accent baptême nan pas ça idée principale auteur idée principale auteur c'est faire disciple kounya là comment pour me faire en baptisant en enseignant well en allant donc tout ça fait partie du processus de le processus là objectif moun k'ap étudie la bible là k'ap fait exégèse texte là k'ap chercher comprendre qui message auteur a voulu véhiculer on t'a dit ça moun ça a besoin faire faut repérer ou bien discriminer les phrases clés les propositions principales des propositions subordonnées. Ça permet d'arriver plus en profondeur. Nous là même, nous là. OK. Quand il y a un résultat, me vient joindre le moi garder, me dit OK, Paul font affirmation. Maintenant, ce que je veux dire frères et sœurs, nous traduit maintenant parce que mot en grec là justement on gagne des qui entrer que pas nécessairement traduit Jean d'Adoudi par mot bon verset 50 dans ancien Louis II dit qui ça ce que je dis frère même pas gain il pas traduit d'air
anglais a mettez lui anglais a dit now qui montre en transition mais le second pas mettez mais bon m'ajoutez lui maintenant ce que je veux dire frères et sœurs donc c'est affirmation s'il dit ce que je veux dire qu'on y a pas le bon contenu ça l'a dit contenu 1 notre nature actuelle ne peut hériter du royaume de Dieu. Contenu 2, ce qui est corruptible n'hérite pas l'incorruptibilité. Il y a un parallélisme qu'il a, qui montre que c'est même phrase, et même bagala. OK? Ensuite, ils font deuxième affirmation. Voici, je vous dis un mystère. Et c'est ça, organisation, ça me fait. Je dis, ouais, organisation, contenu, organisation encore, contenu. Ensuite, nous ne mourrons pas tous, mais le contraste, nous ne serons transformés qu'en aspect temps. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. Mais comment m'a regardé, mais comment on doit garder texte là pour qu'abwe qui ça l'a dit et en façon pour prêcher le bien, pour enseigner le bien. On l'autre affirmation, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront. Donc en séquence 1. Alors les morts ressusciteront, séquence 2 et nous serons transformés. Vous comprenez? C'est séquence, plusieurs actions qui a résulté du fait que trompette la sonne. Ensuite il y a raison, oui, qui fait nos besoins transformer. D'accord, après, si vous regardez niveau, mettez séquence 1 et séquence 2, mettez sur même pied d'égalité, okay, même niveau. Mais l'homme va le mettre car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, va mettre sur même pied d'égalité avec et nous serons transformés. Parce que phrase ça, l'autre phrase ça, dépend de nous serons transformés. Qui raison qui fait nous doué transformer? Parce qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, deux phrases ça, explicatives de s'acter avant, qui c'est nous serons transformés. Et nous serons transformés, ils sont deuxième élément séquentiel de et les morts ressusciteront premièrement. Et deux phrases ça yo même yo dépendent de phrase principale là qui c'est la trompette sonnera. Donc si m'a font étude, si m'a prêché point dans li pa plaît mort ressuscite ou incorruptible. Point ça la trompette qui va sonner. OK? Comme élément nécessaire et essentiel. Maintenant, ou gagne la raison, ou gagne le temps, pas vrai? Et vous venez lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Phrase moi pas fini parce que mon phrase subordonnée, il commençait avec un marqueur de temps. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et que la phrase pourquoi j'aime fini toujours parce que li utiliser yon élément de coordination et conjonction de coordination et ça veut dire deux phrases ça yo jouer même fonction. Donc, si première phrase dans verset 54 là, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, joue en fonction temporelle, deuxième, nan la joue même fonction avec elle parce que li lié par la conjonction de coordination et. Si m'a interprété, il faut m'interpréter deux phrases au même genre. C'est même bagaille à dire. Nous là? Maintenant, sous base ça, le fin établi temps, li pral bon déclaration. Mais l'idée principale, l'immédiat. Cette parole de l'écriture s'accomplira. Qui le parole l'a pas accompli? C'est le qu'on nous change. Ça que t'es mortel là, vient pas mortel encore. Parole l'écriture a pas accompli. On y a besoin de te poser cette question. Qui parole l'écriture? Ben, me comprendre que Paul va faire citation. La mort a été engloutie dans la victoire. Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? Right? Ésaïe 25:8, Osée 13:14. Et puis, l'aiguillon de la mort, c'est tout ça, son expansion. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Donc, il explique, il avance, il ajoute sous l'idée aiguillon, sous l'idée de la mort. All right? Mbappé du Nouyoun, nous tous là? M'espérez ça. OK. Maintenant, texte l'a dit, mais que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié, pardon. Ça dit remercié, moi je dis loué. Parce que m'attribue avec louange, l'Eucharistie, action de grâce, Thanksgiving, okay? Action de grâce. N'a pas bon Dieu, action de grâce. Lui qui nous donne la victoire. Donc, on fait là, on réalité, bon Dieu, ben nous la victoire. Médium, moyen, hein, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on parle de verset 58 là, qui c'est le dernier verset A, où on inférence, c'est-à-dire, c'est pourquoi, hoste en grec, c'est pourquoi,
basé sur tout ça m'sou douyo, mais sans besoin fait. En d'autres termes, verset 58 là, c'est application message Paul. Et ça fait, ouais, m'de dou, texte là, l'homme organisé, m'di gen deux grandes idées. Ok? Première, c'est nécessité pour gagner résurrection. Nécessité pour corps transformé. Et puis deuxième, non, c'est qui ça n'a fait nous-mêmes. Alright? Ça nous fait, soyez ferme, son exhortation. Ça nous fait, soyez inébranlable. Ça nous fait encore, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Maintenant, qui base, qui fait, nous devons travailler à l'œuvre du Seigneur de mieux en mieux, c'est-à-dire améliorer le travail là, baywa koryam. Base là, c'est parce que ouais, le participe présent, ce participe est causal. Parce que vous savez que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Votre travail n'est pas vain. Donc, c'est base qu'il faut faire là. Et pas les phrases principales là, parce que son participe que lui, une phrase participiale que lui. Il n'est pas une phrase principale. All right? Mais est-ce que ça t'est utile ou? Pour nous garder le texte là. Maintenant, mais encore, le me garder en gros, mais c'est présenté devant mon angel. Et puis, il me dit, quel est le message du texte? Eh bien, premièrement, verset 50 à 57 abdim, le corps des vivants sera transformé pour toujours. Ouais? Corps, monde qui vivant, yo, puisque avant, t'as parlé, monde qui mourit, faut plante l'en passe en bataille, l'or semé, on plante pas en bataille, mais remonte. Mais quand il y a monde qui vivant, yo, même, il y a transformé. Qui élément nous venons dans ça? Dans verset 50, il dit que, écoutez, promesse, mon Dieu, lit. Li exclut le périssable. Verset 50, nous t'élis déjà. Il dit que ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang, nous t'ai parlé de ça déjà, mais regardez le verbe qu'il a. Ne peuvent hériter, ont héritage. Sans héritage, frères et sœurs. Ont héritage, c'est pour bagarre au travail pour lui, non? N'absuive, pensez Paul là. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ça veut dire que question royaume mon Dieu n'a pas parlé là, c'est résultat en promesse. Les bon bagage au fait, donc son cadeau. L'homme on dit que mon héritage par un mieux qui était pour moi. C'est pas un mieux qui était héritage ça pour moi. Et à quand faut mon explication quand je viens 3 millions de dollars ça qui sont contre moi, son héritage familial. Oh, gros caisse ça qui vaut plusieurs millions gain là. Comment on fait? Non, son héritage familial. Ça veut dire ça. Si son héritage familial, si son héritage, il faut mieux dire, si son héritage, c'est que ce n'est pas au même qui t'est monté bloc, qui t'est brassé morti ou bien investi l'argent pour faire son bagage ou vine joindre. En général, parents, avant de mourir, il écrit testament, il écrit pour dire OK. Tel caille pour tel monde, tel bien pour tel monde, donc son promesse, son bagage, il passe par l'autre. En d'autres termes, le royaume de Dieu, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On héritage que lui. Nous pas travail pour lui, c'est bon Dieu qui ban nous. Ouais, qui ça texte ça dit? L'or prend son bout de garder. Encore la chair et le sang, pas oublier. Ok, n'a pas le plus de loin. Et puis, verset 51 à 53, Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés. Donc, vous souhaitez me souligner à ce ça? Je vous dis un mystère. Et puis, le bon contenu, hein. Nous ne mourrons pas tous, mais, contraste, nous serons transformés. Tout ça fait partie de mystère, là. Donc, il vient constituer un point pour moi, ou bien un sous-point dans la présentation. Il tourne un sous-point dans l'explication message, moi, hein. Ou bien dans l'explication étude, ma faire. Parce que grand mystère, texte l'a dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, etc., etc., que nous avons gardé déjà dans le texte, là, nous avons entré dans la cuisine, là, pas vrai? Maintenant, on l'autre point encore sur ce que je vais expliquer, où, dans verset 54, à partir du verset 54, texte l'a dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ok, aspect temporel là, et puis le bal du qui ça?
alors s'accomplira la parole. Qui parole va l'accomplir? Au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Donc, nous devons comprendre que, bon accomplissement là, et accomplissement, c'est victoire sous la mort. Victoire sous la mort. Et victoire sous la mort, il y a un partenariat que le fait avec la loi. Vous savez, la mort, la loi, le péché. Well, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça, c'est verset 56. L'aiguillon de la mort, l'outil létal, l'outil létal. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un serpent, venez, serpent, à voyer pour le tout, là. C'est le péché. Well, et puis, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu à Dieu. Donc, ou gagner un duo, le péché et la loi, c'est duo ça que l'on m'a utilisé pour faire travail l'IA. Avantage nous gagne, promesse nous gagne, promesse là c'est qui ça? Bon Dieu a détruit duo ça. Ni péché a détruit, ni la loi a détruit. C'est la promesse. Et donc, l'on m'a lui-même vous le détruit. La mort. D'ailleurs, texte a dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, bon Dieu déjà prend disposition pour résoudre le problème ça. Et puisque c'est ça, eh bien, nous garantit que quand nous a transformé, nous pas périr encore, nous pas mourir encore, il pas détruit encore, il pas qu'à pécher encore parce que péché pas exister encore. Vous comprenez? Pas de possibilité pour pécher encore. Et puis finalement, qui réponse croyant? Qui ça nous doit faire? Si bon Dieu prend toute disposition ça pour changer quoi nous qui ça nous doit faire, eh ben nous besoin attacher à la promesse bon Dieu. Comment on a fait ça? Nous besoin maintenir le cap, c'est-à-dire soyez ferme. Ferme, c'est l'image, mot grec qui utilisait, c'est l'image où mon cap guidon bateau et puis l'ikebe, comment on dit ça encore? Mais guide directive bateau al kembel. Comment? Avion. Pavillon Batoa, Likembel. Est-ce que c'est pavillon? Ok, en tout cas. Likembel pour mener droit côté de l'Alia. Donc, soyez ferme. Mais elle dit, soyez inébranlable. Comment ça, inébranlable, elle dit? Ça veut dire, quand on sous la mer, il y a force, vent, tout cas, chercher pour sauver sous côté. Donc, soyez ferme, non? C'est l'aspect directionnel. Voilà, même moi, ça me cherche à guide. Bateau comme ça sont sorte de volant ou bien un mot mais pas volant non pour kembel pour aller ferme vers l'avant c'est l'aspect directionnel donc kembel direction en français on me dit maintenez le cap continuez dans direction pour aller pas quitter vieux bagaille faire ou font chemin cochi mais en même temps deuxième bagaille il dit non seulement il dit soyez ferme il dit soyez inébranlable. En tout cas, le vent vient frapper ou pour pas voyer ni à gauche ni à droite. Donc, si premier l'ordre là c'était l'aspect directionnel, deuxième là c'est l'aspect horizontal pour pas chavirer. Well, restez là. Donc, on mettait, on dit. Pour résister l'adversité. Tentation qui vient devant, vieille offre qui vient devant. Puisque on sait bon Dieu préparé pour vous, pas quitter tibare ça yo ibranle. Ouais ça inébranlable, soyez ferme et inébranlable dit là. Et puis il dit travaillez à l'œuvre du Seigneur. Donc troisième élément, c'est consacrer au ministère. Et mon content pour moi texte là dit que texte Paul avec chrétien corinthien, pas vrai? Il pas parler leader yo. Il dit c'est l'église là. Il pas dit c'est le leader selon pas le ressusciter mais il dit c'est tout chrétien pas le ressusciter donc là parle avec tout chrétien honnête et puis là il parle à tout chrétien il dit soyez ferme et inébranlable et puis il dit travaillez à l'œuvre du Seigneur donc c'est tout chrétien net qui doit go travailler à faire pour mon Dieu on va passer d'abriver là et pas moi qui a dit ce texte là en pile fois nous quitter travail là comme si c'est leader c'est prédicateur c'est bah qu'on est c'est enseignant c'est yon ministère non. Texte a dit, travailler à l'œuvre du Seigneur, au service du Seigneur. Chaque monde doit gagner un ministère, un service, un bagage, un groupe qui appartient, un ministère qui appartient avec lui, la travail là-dedans.
Et puis, pas seulement travailler, il va nous travailler, non? Seulement. Il dit travailler de mieux en mieux. Ça veut dire qu'il faut assurer que vous avez grandi dans les gens qui ont fait le travail. Assurer qu'on fait le plus bien chaque jour. Mais responsabilité est devant nous. Si nous comprenons qui promesse bon Dieu fait, qui sa bon Dieu planifié pour nous, que la mort est pour finir. La mort fait nous crier, mais elle est pour finir. Hier encore, nous avons mis nous là, gagné calamor. Mais dit Madame Pasteur Versan quitte nous brusquement. Brusquement. Juste rete le collapse. Li failli. Couri l'hôpital, li getan, li pa la, li pa répond. Well, nous partager peine, nous partager peine, condoléances, Pasteur Versan. Donc, mais ça yon qui te blo dans yeux, mais nous gagne espoir, bon Dieu, dit le pral suye blo dans yeux, ça yon. Vous comprenez? C'est pour nous toutes. Sous base ça, si nous connaissons qui plan bon Dieu fait, eh bien, pour corps, corps moun qui mourit à lever, sortir vivant dans la mort, et moun qui pas pour mourir, si le Christ tourne, qui a juste transformé, nous comprenons tout ça, yo, eh bien, nous besoin la guéno à fond dans le travail bon Dieu. Ok? Nous comprenons? Voilà. Quelques notes, même pas besoin de partager ou apprendre par rapport à là, je pense que ça te suffit. Quelques notes pour transition, je me dis que ce que je veux vous dire, que là, c'est tout au de Femi Adelfoy, de, well, la phrase ça, il n'y a pas traduit de, Louis II n'a pas traduit de, qui sont mots clés en mots de transition. Quelques versions anglais traduit, le dit now, maintenant. Well, Louis II pas mettel, même pas s'il t'a fait sens, il mettel. Tout a, c'est this, c'est ceci. Voilà ce que je veux. Mais maintenant, ce que je veux vous dire. Nous avons une petite note ça pour nous comprendre, expliquer. La chair et le sang, oh, ça important pour nous faire well, nous expliquer nous ça. Il dit la chair et le sang ne peuvent. Oh, pas ne peut. Ceci peut le dire ou ils peuvent. Belle bagaille. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent. Faire la danse, c'est pas ne peut, encore il y a le moins. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et puis, il dit, la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Parallélisme pour l'utiliser à simple. Première mot de phrase là, la chair et le sang, il correspond à la deuxième, qui c'est la corruption. Donc, le fait que Corsa est capable de gâter, pas qu'à hériter, royaume de Dieu, la parler là, c'est l'incorruptibilité. Donc, c'est souvent ça que moins la difficile pour tenter ma fond prière pour l'éducateur, ma disséer de bâtir pour de la chair et le sang. Ni pour apte de ma disséer de ballon onction. Ou pas apte de me dire ça. C'est un ballon onction pour le prêcher message là. Ou pas apte de me dire ça. Ok? C'est de bâtir de la chair et le sang. De bâtir de la chair et le sang, eh bien, tout ouil. Ou pas apte de me dire ça parce que moi, plus ou moins comprendre que sa texte l'a dit là, la chair et le sang, c'est l'aspect corruptible, le fait que nous avons un corps qui est corruptible, le fait que nous, il n'est pas nécessairement voulu dire péché. En plus, dans ce sens, nous dit là, débattre prédicateur de la chair et le sang, ou qu'a prêché ce message là, c'est comme si on a dit, mettez-le sous l'esprit, retirez-le sous la chair. Well, mais pas exactement ça, non? C'est ça que dans l'esprit, où? Mais texte ou dit avant ça l'a dit. Et ça me dit, mais je fais, ouais. Texte a dit la chair et le sang là, la chair et le sang sont expressions. Sont expressions qui font référence au corps corruptible que nous gagnons. Corps ça qui a gâté. Corps ça qui a gâté, eh bien, il gagne pour le pas gâté encore, pour le vin tourner incorruptible. Si dans la prière, on dit bon Dieu pour tout débattir de la chair et le sang, c'est-à-dire corps qui a gâté, tout retirer corps qui a gâté, ça dit bon Dieu fait là même dans la prière. Vous comprenez? Avec moi? Yeah. Heureusement, cet esprit interprète prière pour nous, mais plus vous comprenez, vous avez prié en connaissance. C'est quand dit ça, oui, et nous sommes texte gardé Saint-Paulaire, afin qu'on sache comment prier. Lorsque vous priez, il faut prier en connaissance. Vous ne pouvez pas répéter des paroles, répéter, mais chaque fois que vous dites, il faut le penser. En plus, vous avez prié, vous n'avez tellement pas compris qui ça vous dit. Que mon Dieu, c'est ou pas qu'à faire rien sans moi, ou comprenez?
son lapsus, bien sûr, mais ou manqué concentré sur ça ou à dire. C'est des bagages qui arrivent que nous pas. Ou dis, Seigneur, mon appuyé, oui, Seigneur, nous sommes criminels, Seigneur, nous sommes péchés, nous faisons pile bagage qui pas mal, qui pas bon. Ok, ça oui, qui pas bon, on peut confesser pour dire pas faire. Fa juste prier à pas de tourner, li doit conscient, li doit on bagage ou dit ou qu'on s'en dit. L'on prier, s'en dit ou qu'on elle. Donc, m'espérer que nous, bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé d'accord avec moi, même penser que l'expression la chair et le sang, ils correspondent à reste deuxième même phrase là, son parallélisme, son figure de style que l'auteur a utilisé, c'est pratiquement plus fort sommeux quand ça a fait. Plus fort sommeux. Ça a le parallélisme. Donc, si vous avez compris qui ça m'a dit, vous lisez phrase après là. Ou elle pourrait qui, parce que l'idée doit synonymique, l'idée doit antinomique, on va pas entrer dans le détail ça, mais c'est ça qui est important. Pour moi, pour l'utiliser là, il y a un parallélisme synonymique. Première phrase là, c'est même bagaille à la deuxième. Là. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est même bagaille avec la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Ouais, le royaume de Dieu correspond à l'incorruptibilité, il n'est pas qu'à gâter. La chair et le sang correspond avec la corruption, donc le corps qui est capable de gâter. Donc, j'aime dire là, la difficile pour toi de me faire prier comme ça. Bah, dis-moi, penser au même. Et puis voilà. Ma campé là, ma quitte ratio, mystère révélé, m'espère que mon qui va, par exemple, lui dit nous, et va nous tout cap mourir, mais utilise le verbe dormir, etc., son euphémisme pour mourir, mais bon, moi, campé, présentation, hein, t'es presque fini, mais bon, puis mon campé en façon pour que, poser question vin pour cap vini ça me dit encore yeah pour cap partager participer avec nous voilà ok besoin I need to stop the sharing it doesn't show up il va pas arriver. Ok there it is all right bonjour ta frère Julien le monde qui t'est déjà levé mais oh. Oh, that's weird. En tout cas, semble que moi que lever même encore pendant ma fête. Ma fête manœuvre. Yeah, en tout cas, frère Julien Boumetou, nous avons quelques minutes qui étaient. Je suis bien content si nous prenons 9 à 10 minutes encore. Ben, nous saluons chaque monde, quel que soit côté où tu attendais nous. Nous disons merci parce que tu es prêt pour t'attendre séance à soir. Et nous, Apedou, merci parce que vous cher ou partagez cette séance-là pour que l'autre monde capable de faire. Malgré nous pas vraiment gagner un peu l'assistance à soi, mais avec présence ou même qu'il a par rapport avec Jean, ou pour aider nous pour partager et puis commenter et puis cher et séance-là, nous avons arrivé à toucher un bon valet monde. Nous vivons dans un moment qui est un moment pas ou même qui est assistance là, ou même qui t'a suivi ensemble avec nous depuis 8h30. Moment ça, c'est un moment pas pour que vous capable poser des questions par rapport avec notre ou tes plans, par rapport avec ce temps et qui peut-être que vous avez dit ou vous avez fait tout, qui peut-être dans la ligne et texte là, et que. Qu'on est capable de poser question pour capable d'aider élucider zone ça et sans plus tarder n'a pas cherché question ou même qui sous Zoom ensemble avec nous ou même qui sous Facebook ou bien YouTube ou même qui attendait nous tout dans radio qui relé nous parce que radio a une possibilité pour que vous capable écrire commentaire en bas et soit Facebook ou bien YouTube côté que yo même yo relé nous et que nous même n'a capable prendre et question pour nous partager pour n'a pas checker pour nous et qui côté nous gain question mais en fait avant ça moi même gain question par rapport avec moi t'ai prendre temps pour m'entendre séance là
et que par rapport avec Jean Pasteur a décortiqué texte là comme français qui entre mêlé en dans texte là moi poser peut-être une question non Jean est peut-être première version deuxième version que Pasteur a dit est-ce que ça pas porté à une interprétation yon l'autre monde capé soit prêcher ou bien lit texte là pour que li vienne faire en l'autre version de l'évangile par rapport avec et ça qui était écrit avant et ça qui est écrit par la suite ça peut-être que ça qui était écrit par avant dit bayon ligne par rapport avec ça qui écrit ça qui vient écrit par la suite là bayon l'autre ligne par rapport avec ça qui écrit est-ce que ça lui-même tout pas t'a vienne faire yon l'autre ligne de l'évangile qui pral peut-être soit écarté des protocoles que Christ t'est établi ou peut-être pour l'entrée des protocoles dans protocole que Christ t'est établi. Merci en pile, frère Julien. Merci pour la question. Et son excellente question parce que ça a soulevé quelques doutes dans l'esprit de mon ouvrier. Oui, mais OK, pourquoi ça nous oblige à l'autre traduction? Est-ce que pour moi, il n'y a pas de bon? Ce n'est pas nécessairement ça. C'est pas ça. C'est que le texte n'a pas changé. C'est même texte grec là. Mais pas oublier, connaissance non limitée. L'on traduit, il y a des bagailles où vous venez dans nos comptes puis devant, ah, mon cas, une meilleure traduction qu'on y a. Mais le texte n'a pas changé, c'est même texte grec là, c'est même texte hébreu là. Il se trouve que, puis, au fur et à mesure que nous découvrons sens moyo, nous comprenons moyo, nous venons rendre nous compte que nous avons amélioré la traduction. Deuxième bagaille, c'est que langue nous a évolué tout. Texte n'a pas changé. Texte original n'a pas changé, c'est même texte là. Mais langue n'a pas utilisé à évoluer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, on dit, bon mot qu'on utilisait dans la langue 20 ans de cela. Je dis à moi, avine bon l'autre sens. Eh bien, si moi, avine l'autre sens, au besoin, garder, est-ce qu'on pas obligé de changer pour venir avec l'autre, pour expliquer l'autre genre? Un exemple clair qui est dans la tête, moi, c'est comment ça arrive encore? C'est Hébreu, chapitre 1er. Bon, moi, si je regarde rapidement, pour moi, qui ça, nouveau Louis II dit, LSJ 21, second 30, second, Louis II 21, Hébreu, chapitre 13. OK? Bon, je cherche l'ancien. Juste un exemple. Right? Bon exemple pour Kawe. Sam Abdullah. Dans Louis II, nous plus habitués. Hein? On dit Hébreu 13, verset 1er. Oh, c'est pas 13, comme je vous dis. Pardon. Pas verset 1er. Hébreu 12. Hébreu 12, verset 2. Pour un mauvais texte, je vais regarder, je vais essayer de regarder pour moi qui ça, deux textes dit. Mais je suis toujours critique par rapport avec Louis II, pas toujours. Même je suis critique par rapport à Jean-Louis II, dit Hébreu 12, verset 2. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. OK? Nous devons fixer les regards sur Jésus. Qui ça, Jésus est, comment il décrit Jésus? Le chef et le consommateur de la foi. Le chef, attendez bien, hein? Mot qui traduit chef là, c'est kephalè. Kephalè, là, dans le web, céphalie, ouais, encéphale, céphalogramme, ouais, on fait examen pour tête. Donc, mot chef là, c'est tête. Kephalè. Ancien Louis II te dit, le chef. Yes, pas un problème, non, mais la tête tape bon, si vous voulez plus littéral, parce que surtout dans le contexte, nous, chef, nous, chef, vient de l'autre connotation qu'on y a. Et on a dit, c'est chef. Well, alors que kefalea, mot kefalea, il pas utilisé dans thème chef, mais dans thème, ça a by directive là. Tête, tout c'est lui by directive, c'est lui contrôler tout le score. C'est dans ce sens ça, grec l'a utilisé Jésus, Jésus c'est kefalea. Donc c'est lui tête là. Dans 1 Corinthiens 12, par exemple, il dit,
c'est la tête du corps. OK? Donc, ancien Louis II, qui m'en a même là, OK? Il dit, le chef est le consommateur de la foi. Deuxième problème, il y a un problème avec chef, il y a un problème avec consommateur. Parce que le mot consommateur aujourd'hui, il dit qui ça? Son monde qui a acheté un bagage pour le manger, qui a le dépensé, un consommateur. Sont un acquéreur de biens. OK? Nous, c'est des consommateurs, ou bien la société de consommation, parce que nous avons une économie de marché qui s'est achetée, consommée, s'opprend, à l'acheter encore. Dans qui sens pour dire Jésus, c'est consommateur de la foi? En d'autres termes, même si le mot ça a été bon, le Louis II a fait traduction dans l'année, soit en 1921, on va dire comme ça, 1920 ou 1921, si je ne me trompe pas, je vais pouvoir vérifier le tout, oui, pour moi. En 1910. Si en 1910, le Louis II a fait traduction ça, consommateur, t'es bon sens, je dis à mon consommateur, quand il y a l'autre bagage. 1910, ça veut dire nous avons plus de 120 ans plus tard. Non, 120 ans? Non, pas 120 ans. Nous, 2022, il y a 112 ans. OK? Traduction ça, 112 ans plus tard. Ou vous gagnez, on Louis II révise. Je voulais garder tout de suite. Pour moi, ça, comment le traduit. Hébreu 12, verset 2. Il dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi. Ah, est-ce quoi la différence là? Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Au lieu de consommateur de la foi, il dit Jésus fait naître la foi. Jésus cause que nous venions la foi, je veux dire. Est-ce que comment nouvelle version rangée bagaille là? Ouais. Bien que manquons bagaille, m'baoué qu'il fallait là. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection en échange. Wow. OK. All right. Ça me plaît faire nous là. Le texte n'a pas changé. Texte grec l'arrêté, j'en le dis. Mais nous-mêmes, nous obligés à adapter nous parce que langue changé. Tel mot qu'on utilise, bon l'autre sens, bon nouveau mot qui vient plus équivalent à ça nous doit dire. Eh bien, n'a pas utilisé le plutôt. Dans le cas ça, on a besoin de réviser la traduction. Donc, Bible n'a pas utilisé. C'est pas que le pas fiable. Il y a des petites nuances de traduction. Après, nous autres montrons là dans l'étude à Soya que Louis II choisit pas mettre maintenant. OK, dans verset 58 là. Non, pas verset 58. Là, il dit maintenant ce que je vous maintenant je vous dis un mystère. Il pas mettre maintenant non, verset 58, m'dab dit. Non, verset 58, m'dab dit, le l'a fait application dans 1 Corinthiens 15. Il pas mettel, mais dans le mot grec là, moi toujours là, hoste, l'igui doit faire dans l'autre sens parce que l'y a essayé d'aller direct pour faire une phrase qui est direct puisque le pas son application, il pas l'utiliser yon impératif. Il fait choix ça. C'est peut-être pas l'y moi m'dab fait. M'dab préféré ajouter mot connecteur maintenant, mais c'est pas sans phrase là toujours là. Que mettez maintenant ou bien pas mettez maintenant, soyez ferme et inébranlable, travaillez à l'œuvre du Seigneur toujours, même bagarre. Donc, pour me répondre à la question, là, frère Julien, c'est que traduction, biboua et pas biboua, il y a un problème, mais le fait que langue a évolué, de temps en temps, nous avons besoin de changer, j'en ai fait phrase là, changer mot nous utiliser pour nous adapter mais texte arrêté pareil. OK, ben en fait moi c'est pas vraiment un problème gain par rapport avec texte là changer, me comprendre que le texte a évolué, la société a évolué, on pas quel bagaille, faut agencer texte là avec société. Prenons par exemple notre société haïtienne par exemple, c'est que même l'évangile qui, moi, comme si je comprends, nous prêchons, l'évangile qui est purement haïtienne, comme par exemple, et des fois, nous allons nous prendre des bagages qui culturels et que nous ajoutons là-dedans, culturels par rapport avec la côté que
source biblique la sortie, par exemple, nous ajouter dans l'évangile, nous. Et par la suite, qui ça qu'on y a par rapport avec des enseignants ou bien des pasteurs ou des prédicateurs de l'évangile ça, qui peut-être dans Bible qui était tellement là longtemps, qui déchiré, qui pas jamais update, et qui a toujours fait même comme si prédication ça yo comme consommation consommateur toutes les affaires comme ça et qui pas jamais tegen un nouveau Bible qui toujours a comme si fait christianisme avancer avec même ancienne tegen pendant ce temps nouveau siècle non nouvelle ère non nouveau bagage. C'est comme nous pral gagner de l'évangile qui parle contradictoire. Et comment qu'on y a, nous pourrions comme agencer maintenant parce que prédicateur n'a pas update, n'a pas fait formation pour connaître un nouveau changement. Pas un nouveau changement, un bon changement. Les bon changement qui fait, ça se peut que par la suite, pasteur, ça peut ajouter sous nouveau pasteur parce que vous prêchez l'évangile qui est différent avec l'évangile par là, c'est qui pourrait dire que vous sous la chair ou bien sous l'autre bagaille. Ou pas prêcher l'évangile qui lui-même l'a prêché. Ça peut faire un choc en dans ministère ou bien dans christianisme que nous y sommes. C'est ça que Yes. je comprends, en fait. Yes, ou tout à fait raison, frère Julien, et peut-être c'est une raison d'être ministère d'études bibliques que Insta Christi a fait. Alors, études bibliques, c'est une bagaille que Insta Christi a gagné, c'est pas études bibliques seulement que. Mais en tout cas, c'est une raison d'être là, c'est essayer de proposer un modèle d'études de la Bible, essayer de proposer un modèle d'approche. Ça, c'est un deuxième élément de cadeau, c'est que pasteur nous yo, leader nous yo besoin profiter, pardon, profiter de technologie qui existe aujourd'hui. Gagner plusieurs versions. Gagner plusieurs versions françaises. Sous pas le prêcher, li pa, bon, 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 qui faut là, li pa normal. Li pa normal. Pour yon pasteur pour le prêcher, un message, son texte, et puis il donne et garder la seule version, non seule version que le gagne. Li pa normal. OK? Aussi fiable que version en cahier, ou besoin de comparer l'autre version pour garder, pour voir comment vous traduire. Sous pas gain connaissance dans la langue originale. Sous si gain connaissance dans la langue originale, vous avez un avantage. Et même là encore, connaissance dans la langue originale, elle est toujours limitée parce que pas difficile pour toute bagaille. OK? On a toujours besoin de comparer, garder pour voir, faire étude. Sous gain connaissance dans la langue originale, il y a avantage pour vous, à prendre du temps pour réfléchir. Ça prend temps, oui. Et c'est une bagaille qui fait pas aller faire lui parce que bagaille, ça prend temps. Il prend temps. Donc, il faut comparer version, yo, comparer sous version Darby, par exemple, ou version Semer, ou version qui sont encore Louis II, qui s'en connaît encore en français. Ou de plusieurs versions. Donc, ou besoin de prendre temps pour comparer, yo, pour rendre compte qui ça a fait. Troisième élément de réponse moyen, même l'homme dit ça, ce n'est pas un gros problème qui vient de la traduction, yo, non? Nuance, yo, nuance vraie. Mais ce n'est pas que ça me dit là. Il y a des textes qui ont des problèmes. Il y a des textes qui ont des problèmes pour comprendre qui sens moi dit là, effectivement, qui m'ont donné une recherche en plus. Mais généralement, traducteurs, c'est des gens qui étudient la langue originale. À part, nous connaissons quelques dénominations qui étaient juste copiées, des bagailles, qui pas de ça avant, vrai. Mais généralement, traducteurs ont fait. Alors, nous connaissons pas grand-pile de temps, nous prenons le fini, Frère Julien, mais. En fait, nous avons ces malades qui levaient mani pour n'abali chance pour lui Yes. poser question et puis nous juste gagné frère David Pierre-Louis parce qu'il a écouté nous Léogane qui posait question qui dit est-ce qu'on est capable bali plus d'explications de 1 Corinthiens 15 verset 2 s'il vous plaît. En attendant pendant à chercher n'a bail ces malades possibilité pour poser question. C'est malade. Oui. Oui, alors, oh, OK. Et il y a deux petites questions, deux petites remarques. C'est question de mots. Et nous tous, nous croyons que nous connaissons en général vraiment la question de l'évolution, très, très, très important, parce que le monde qui est intéressé à l'évangélisation, il faut que toujours faire attention. Même les anciens missionnaires ont remarqué, et les aller dans d'autres pays. Et là, il n'y a pas de faire attention à la culture,
comment que quelle fois je t'ai fait une erreur. Donc en fait de moi et moi et accent sur mot que pasteur nous fait à soya très 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 important. Si n'a prêché nous gain doit vraiment un peu changer moi pour l'y adapter à culture mon nom, pour l'adapter à culture pays. Ceci étant dit, nous connaissons personnellement nous-mêmes question chef là vraiment nous gon bon, entre nous soit dit nous avons un gros problème avec chef quel que soit la communauté, quel que soit la famille, quel que soit dans pays nous mon chef là nous t'es même si nous t'avlais nous t'a retiré pour nous parler vraiment pasteur de tête et de dirigeant. Jésus est est la tête, est la tête de notre foi et le dirigeant. Et le dirigeant, ça t'a un peu plus soulagé nous. Soulagé nous parce que chef là fait un peu de dégâts. C'est deuxième, ah oui, c'est ça, me devait dire. Et puis deuxième, non, c'est la question de prière. Je suis toujours étonné comment Jésus, et Jésus c'est un modèle nous. Et puis il dit papa seulement deux mots. Il lève tête, il dit, nous connaissons déjà répondre moi. Ça veut dire que l'Éternel t'a déjà connaît ça que nous pensons, ça que nous cœur, et puis là il lève les yeux et puis il dit, eh ben merci. Et puis l'Éternel répond ni. Donc afin de connaître bien prier, connaître bien comment prier et quoi dire à Dieu pour que nous joignions une réponse, ça c'est vraiment très important. Merci, pasteur. Merci en pile, Sœur Marlène. Nous apprécions l'intervention, nous apprécions, nous valorisons l'appréciation tout, pour participation dans la séance à soir. Effectivement, mon chef là, il n'est pas seulement pour Haïtien, non? Il n'est pas seulement Haïtien, non? Mais mon chef là, même, il y a une connotation qui n'est pas, pas correcte. Si en 1910, le Louis II est traduit, il était du chef, 1910, chef là, t'es gagné. En sens, je dis à mon chef là, pas le dit même bagarre. Et ça, faut, ouais, yo révisé traduction. Well, et je suis content que yo fait ça. Donc, quand y a là, si nous-mêmes, qu'on utilise la version Louis II, nous pas mettez nous au pas. Ça c'est affaire par nous mais mon édition comprendre que c'est passé mec mais t'es fait dans traduction que le défaire yes et puis deuxièmement par rapport avec prière là ce malin nous dit juste l'un a prié Jésus même dit ça oui pour ne pas sembler pharisien qui juste a répété des paroles juste pour faire prier à longue mais pas vous comprenez qui croient que c'est à force de parole que leurs prières seront exaucées. Jésus dit ça clair. C'est pas à force de parole, mais c'est plutôt un bagage qui saute dans le cœur. Ça va dire l'irréel. Et on connaît ça va dire. Cependant, ça ne pas retirer non plus le fait que prière à long, non? Prière à long, parce que Jésus te connaît mettre temps à part pour la prier, fait plusieurs temps. Même là, on parle arrêté le jardin de Gethsemane. Il était un disciple avec Pierre, Jacques, Jean. Il quittait une distance et puis il avançait pour la prier. Après quelques heures, il tournait, vient vérifier où il a dormi. Il dit, mais si on ne va pas veiller avec moi, il tournait la prier. Well, guess ça. Ça va vouloir dire que depuis dit deux trois timo fini non. Mais en pile fois, nous fait prier long, nous disons bonne parole pour monde car ouais nous qu'on prier. Alors que c'est pas cœur nous qui parle. Alors que parole n'a dit on pas me venir comprendre ça n'a dit. Et c'est sous base ça m'a dit si c'est à l'heure que l'a difficile pour si m'a prier pour prédicateur pour m'a dit Seigneur bali onction. Parce que on connaît ça onction on veut dire et me comprendre que onction c'est ça onction était m'a planté là-dedans mais ça onction c'était vider l'huile sur mon mauvais choix pour font choix de monde. Et l'ont choisi ou habilité le pouillon fonction la occuper fonction la faire fonction ou pas obligé chaque fois pour faire fonction faut envie de l'une sous tête donc l'onction de Dieu il pas un bagage qu'on obligé faire chaque fois mon pas brancher à prêcher onction c'est depuis le bon Dieu te relève comme prédicateur bon Dieu relève bon Dieu choisit comme prédicateur c'est fini donc moi qui comprenne pas si chaque fois pour prêcher me dit c'est l'onction s'il pas de onction
ça a son gros problème. Mais si le dégât gagne option déjà, il gagne le net, il gagne déjà. Il n'a pas besoin de demander pour Dieu encore. Tout comme, ou pas peut-être de m'app dit, c'est débattu prédicateur de la chair et le sang. Parce que je comprends que la chair et le sang, qu'on la chair et le sang, c'est le côté périssable du corps humain. Donc si la chair et le sang c'est l'aspect périssable du corps humain et que me dit bon Dieu débattil de la chair et le sang, tout dit bon Dieu débattil de côté ça, retirer. Comment bon Dieu qu'a retirer le corps périssable là s'il n'est pas mourir mon amour? Ou du moins c'est pas Christ qui tournait pour le transformer. Well, pour le transformer à monter dans le ciel avec lui. Ça fait on le. Et c'est bon Dieu qui pour le débattil de la chair et le sang, oui. Parce que la chair et le sang pas hériter royaume là, avant nous entrer dans royaume là, la débattit nous de la chair et le sang, mais le bon leur pour le faire. Si bon Dieu l'établit qui le l'a fait leur Christ a tourné, on pas qu'à demander bon Dieu pour faire pour prédicateur ça qu'a monter sous chair. Bon, donc c'est un peu ça pour résumer réponse. Merci en pile sur Malène. Amen. Oh frère David Pierre Louis, 1 Corinthiens 15 verset 2. Alors, yon nan ba rekapedo pi bien frère David Pierre-Louis, c'est ta al retande deuxième séance nous fait sur 1 Corinthiens 15. Pas première à nous, première à son vue globale, côté de partager sept caractéristiques de l'évangile que nous jouons dans 1 Corinthiens 15. Mais deuxième, nan, m'te commencé dans exégèse texte. Et m'suspecte question la guerre rapport au fait que verset 2 a dit, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il y a monde qui dit ah attention on pas qu'à dire vous sauvez net comme si vous gain assurance du salut parce que vous sauvez c'est si vous continuez qu'embel j'en dis justement et ça texte a monté là mais il dit si vous êtes sauvés dans au texte hébreu dans texte grec là c'est le temps présent c'est-à-dire le présent progressif qui est utilisé qui dit vous êtes en train d'être sauvé. Donc, il ne peut pas parler de un monde qui est sauvé comme si de la peine du péché, non? Que bon Dieu sauve la vie. Ou. Mais, c'est, comme tu as utilisé dans la leçon, c'est le salut sanctificateur. Non, le salut sanctifiant, on va dire comme ça. C'est-à-dire, c'est aspect que nous sommes en train d'être sauvés. Travail bon Dieu a fait dans la vie nous la transformer nous c'est aspect ça que texte a précisé là que bon Dieu bon travail a fait dans nous pour continuer mener nous dans dimension dans niveau que nous supposé hier donc et ça m'a dit brièvement sous question je suis content que nous t'ai participé nous dit merci avec tout le monde et ensuite n'a pas continuer dit chaque monde qui a suivi avec nous que l'étape bon si vous posez question au début laisse nous a bien chance pour nous capable transmettre les questions pour nous avoir une réponse c'est comme pendant on a fini là frère Joseph Fritzner et écrit il dit merci pasteur pour étude à soir. So pense des prédicateurs qui pas qu'on lit et puis qui fait un monde lit texte là et puis li tombe prêcher. Li dit Saint-Esprit a fait le prêcher bien. Yeah, alors bon répondre frère Fritz quand même. Merci frère Fritz parce que vous participez, ils sont fidèles auditeurs, ils toujours avec nous content ça. Ça sont gros phénomène que lié qui viennent dans pays sous-développé well, pays sous-développé. Mais deuxièmement, l'arrivé tout à cause de monde qui konn li yo même, yo pas décidé remettre tête yo bay bon Dieu pour travail là. Alors que faut travail la fait quand même. Donc c'est dans ce sens ça me t'avle moi chapeau bas devant moun sa yo pour effort yo fait. Met chapeau bas devant yo pour audace yo gagne tout. Parce que me t'avle di audace là parce que bon niveau de bravoure ou besoin pour faire ça. Moi-même qui a vienne faire étude ça. Si m'ta raconte ça le prend comme temps, comme effort, comme préparation, comme étude et stress li ban moi tout pour me faire
par rapport à l'autre même qui juste dit au monde lis moi et puis il lagué monde ça a grand pile courage dit grand pile bravo que moi me bagayer moi commander pour ça mais en même temps critiquer le fait que dans l'assemblée en pile fois nous plein un tel pas qu'on lit c'est lui qui a prêché etc. Pourtant ou même qui qu'on lit a ou pas l'étudier ou même qui qu'on lit a ou pas promettre la ou pas contribuer dans le ministère ça mais c'est plutôt critiquer ça son premier élément de réponse mais deuxième élément de réponse là pas quoi on l'église qui a grandi comme ça non pas quoi pas quoi on l'église qui a grandi si parole là pas expliqué bien si pas gon programme d'avancement dans l'église là et ça mal plus loin pas juste seulement dit ou prêcher ou faire étude non si pas gon programme d'étude dans l'église là chrétien pas ka grandi comme ça du tout OK chrétien pas grandi si pas gon programme d'étude côté que gain évaluation tout pour mesurer dans qui premier jour dia par rapport à deux mois passé si pas gain ça ou bon bonne chrétien chikata et donc génération après eux même pral payer conséquence là pi mal alors en même temps que me commander c'est en même temps que me mettre chapeau bas devant moun sa yo mais en même temps moi souhaiter ouais situation changer parce que le pas normal il pas normal pour prédicateur pas même qu'on lit font moun appli pour lui et puis il tomber parler moun ki konn li ou ka konn li mou pa ka boue ou pa ka comprendre sa texte a di sou pa gen méthode d'étude m'a besoin de sou pa konn li du tout nou exemple de bonne soya pour montrer nou ki travay que m'a fait en background pour m'ka sorti avec message auteur ki processus mwen suivre eh bien ou ka konn li mou pa ka fèl parce ou pa konnen pou te fèl ou pa montre ou fèl donc konn li a pas suffi voir sou pa konn li du tout. Pendant si pendant on dit ça et que on va monter dans tête mettre gain on pasteur que t'as fait en croisade en Haïti mais il pas te connaît si Haïti tout haïtien pas parler français ou bien pas attendre français et que premier croisade là il prêchait en français et puis Clairvin dit l'haïtien aussi créole attendez tout haïtien c'est créole attendez il dit excusez-le dans deuxième jour la prêcher avec un interprète mais tout le monde qui était dans foule là il a dit non prêcher en français. So. Non alors une chose qui est c'est que français l'anglais deux langues en présence et pour une langue de on langue dominante il vient pas nécessairement langue dominée oui ça relève prestige. Oui ça relève prestige qui développé dans sociolinguistique ou après par exemple mon langue doit pas parler français mais le mariage la fête en français. Mais elle pas comprendre ça y a dit dans message là dans mariage là oui mais elle voulait mariage la fête en français parce que langue française a bah un certain prestige et c'est un phénomène qui arrive lorsqu'on gagne plusieurs langues en présence et donc et que youn pas valorisé autant que l'autre donc ça arrive mais bon nous besoin faire effort il y a son bel exemple pour bah ben, en fait c'est ça c'est que nous dit chaque monde vraiment merci parce que nous t'es prend temps pour nous te suivre séance étude à soir. Merci à chaque monde qui t'a écrit un commentaire, merci à chaque monde qui t'a partagé, merci à chaque monde qui t'a posé question que nous répondre et merci à chaque monde tout qui pose question que nous pas de bien temps répondre et n'a continuer encourager poser question au plus bonnet parce que tout au long des déroulements séance là tout au long des déroulements études là gen mot k'ap tombé gen mot k'ap sorti que ou ap ka gen question pour poser question au plus rapide et pendant ce temps nous même tout n'a ka gitan planifier dans combien de temps n'a ka poser et répondre à la fois et nous comprendre que les poser question que nous pas répondre ou bien nous pas gitan relater au pour ça peut-être ka frustrer par rapport avec ou poser question ou t'es là depuis le début ou poser question que nous pas gétan répondre mais ou ka comprendre nous tout c'est que question ou poser trop tard et nous gon canva pour nous respecter et nous pas vle kembe ou trop parce que nous vle comme rejoindre nous
samedi prochain. Ou va excuser nous si nous pas répondre question et ensuite nous passer que n'a qu'à regarder vidéo à si gon question et que pasteur Onel capable si parce que pasteur Onel gen l'école gen l'autre activité qui cap entend qu'il pas gen temps passer sous vidéo encore pour ta garder comme si gen question qui poser qu'il pas répondre et il ta gen temps fait une réponse. Alors, ouais, excusez-nous pour ça et n'a encouragé ou poser question au Pibonet. S'il vous plaît, poser question au Pibonet et laisse ça n'a pas satisfait tout le monde et tout le monde va sortir avec un amio avec yo même béni. Nous remercions encore une fois et Nabdou, merci. Continuez attaché avec Insta Christi, continuez. Poter support comme en partager et en commentaire et aussi tout si ou bien possibilité poter support parce que dans le moment ça nous retourner dans version ancien que nous t'ai gagné parce que version que nous t'ai gagné qui était con bon belle image avec belle présentation version en panne et que moi même dans cuisine pendant année a pendant changement année a m'étais dans la cuisine là pour t'ai al garder comment ça t'ai et par rapport avec ordinateur là qui différent que ordinateur présentation qu'on fait là nous il pas de transmettre appareil là sur ordinateur pas là alors nous gain pour nous faire acquisition de l'autre appareil pour que nous capable retourner avec même style même format présentation que nous te connait gain avant. Alors aide financière aide prière toute façon que tu es capable bailler l'étape important pour nous et ensuite pour nous capable river venir joindre nous dans façon que remel et n'a demandé pasteur Onel qu'il cap prier pour nous et que nous capable mettre fin dans séance à soir. Merci en pile, frère Julien. Merci tout le monde qui était avec nous à Soya. Permettez-moi de saluer sur nous, Fayel, qui est chez nous. Permettez-moi de saluer encore frère Fritzner, pasteur Meldor. Je suis sur Christina Benoît. Je suis salué, je suis content qu'on soit avec nous. Pasteur Meldor. Pasteur Bernard, je suis salué. Et tout le monde qui suit nous, pas sur Zoom, mais qui suit nous sur l'autre plateforme, yo, c'est à nous, content avec. En nous prier. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons et nous t'exaltons. Merci de ce que tu as rendu possible la séance d'étude de ce soir, malgré les difficultés au début, mais tu nous as permis de nous en sortir. Merci pour cela et merci pour tous ceux-là qui nous ont assistés et qui ont participé à l'étude de ce soir. Je prie que ta parole transforme nos cœurs et nos vies. Donne-nous de l'intelligence pour discerner ta volonté et te suivre. Que ton esprit travaille en nous, que ton esprit éclaire les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous te voyons clairement et que nous puissions appliquer ta parole à nos vies. C'est au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bonne semaine et bonne fin de semaine et ensuite bon dimanche et puis à samedi prochain. Salut. Amen. Je ne croyais pas.